Peggy 7. Voyez le reste. Les amis. On fait quoi, Captain? Écoutez, avant de fermer le portail, il faut les contenir. Barton, sur le toit, surveillez tout. Groupe et franc-tireur. Stark, surveillez le périmètre. Tout ce qui franchit trois blocs, vous le repoussez ou l'anéantissez. Ok, accrochez-vous, Nicolas. Thor, essayez d'obstruer le portail. Retardez-les. Vous avez la foudre. Vous et moi, on reste au sol. On se bat ici. Hulk! Écrase. Rogers, Romanov. Quand la zone sera dégagée, retrouvez les autres. Il y a beaucoup plus d'aliens qu'on le croyait. Ok, salut les amis, c'est Monsieur. J'espère que vous allez bien et on se retrouve encore une fois dans la belle ville de Manhattan. Pas pour The Division cette fois-ci, mais bien pour du Lego Marvel Avengers. Et oui, on est sur la bataille finale du premier film, si vous avez suivi, bien sûr. Ce premier film qui était extrêmement magnifique, voilà. Qui a lancé donc les Avengers. C'était bien sympathique. Et on va continuer notre aventure. Bon, par contre, faudrait arrêter de me tirer dessus, ça serait sympa. Parce que j'ai pas que ça à faire. Et je voudrais pas mourir. Merci. Même si je sais que je vais mourir, hein, bien sûr. Ça, je suis au courant. Ah, je trouve que les cinématiques sont quand même assez bien assez fidèles au film en fait. Ça c'est nul, je peux pas bouger pendant le laps de temps qui sort la cinématique. Et du coup je meurs à cause de ça quoi, c'est débile. En plus j'ai la musique de Drake dans les oreilles. Dans la tête plus que dans les oreilles. Dans les oreilles j'ai des écouteurs mais... apparemment je peux pas casser ça. C'est juste ce qui doit être fait. Dommage que... Bon ça doit être... Pour y accéder, il vous faut un véhicule. J'en ai un, mais j'ai besoin d'élan. Vous êtes sûr? Oui, ce sera amusant. Ok, non, d'abord. Ça le prend pas mal. Ah, des fois on a du mal un petit peu avec la caméra, hein. Voilà la belle cinématique. Ah non, on va carrément changer. Alors je pense qu'on va continuer la bataille, mais... Il va falloir un peu
plus que des réparties bien placées et les crises de Hulk pour venir à bout de tous ces aliens géants. Selon nos rapports, en plus d'être gros et effrayants, ils sont protégés par une armure renforcée qui semble assez difficile à briser. Si on veut avoir une chance de fermer le portail et de vaincre Loki, vous allez devoir collaborer en reformant les Avengers. Allez les gars, un pour tous et tous pour un. Bonne chance à tous. Alors moi ce qui me paraît bizarre, c'est ça. On parle de l'île de Manhattan. À moins d'un échec de mon équipe, je n'ordonnerai pas de frappe nucléaire contre la population. Allez, tourne. Essayez de l'atteindre si vous pouvez. OMG quoi, ce qui défonce le petit Hulk. Ah, y a un truc à faire. Côté. Alors déjà on va sauvegarder. Je disais ouais, ce qui me paraissait. Ah lui il peut pas sauvegarder, ok. Ce qui me paraissait bizarre. Mais pourquoi ça marche pas l'attaque avec Thor là? Pourquoi je peux pas changer de perso aussi? Moi ce qui me paraissait, enfin ce qui me paraît bizarre depuis le début, c'est que on a le droit qu'il y a une seule cinématique, enfin une qu'une seule phase de jeu sur le nouveau Avengers. La première. Et depuis on a fait Captain America et Avengers 1. Ouais mais là si je peux pas changer de personnage, je pourrais pas passer ici moi. Elle est excellentement bien fait la transformation de Hulk. Mais moi ce que je veux c'est changer de personnage s'il vous plaît. Oh, on va pas se faire bloquer quand même ici. À cause d'un truc. Ah, c'est peut-être ça. On va le faire plus loin.
Ça va être embêtant ça. Ça va être très embêtant. Sérieusement, comment on fait pour passer ça? Je vais me jeter là. Peut-être que ça va régler le souci. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi je ne peux pas? Si on passait par là, peut-être. Ah mais je peux rien faire avec lui, sérieusement. Je peux pas, hein. Je peux pas changer. Je ne peux pas changer de personnage. J'ai toujours du temps pour les super-héros. C'est possible ça. Option. Est-ce qu'on peut voir les commandes? Afficher les commandes, voilà. Changer de personnage, ben oui, c'est bien ce que je fais. Ou alors Y. Ah oui. Sauf que quand on a Hulk, eh ben ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bonjour. Allô, s'il vous plaît, j'aimerais changer de perso. Mais on est bloqué à cause d'une commande qui ne veut pas marcher, quoi. Ils sont sérieux. S'il vous plaît. Allez. Soyez gentils, hein. Bon. Bah, vous savez quoi. On va relancer, tout simplement. On va relancer. Alors, où est-ce que je dois... Non, rassemblement, c'est fait. C'était bien là.
un peu plus que des réparties bien placées. On peut pas zapper ça. Hulk pour venir à bout de tous ces aliens géants. Selon nos rapports, c'est bon. T'as déjà entendu. Merci. Allez, à la prochaine. Bon, en espérant que cette fois-ci ça marche, hein, mais si je peux pas changer de personnage, je ne peux rien faire. Je veux bien par tous les moyens, mais là apparemment, ça bug. Tous et tous ça bug. Bonne chance à tous. Ça bug, les enfants. Alors, est-ce que je vais recommencer avec, d'abord aussi avec... Directeur Fury, le conseil a pris une décision. On parle de l'île de Manhattan. Avec Captain America et Romanoff. Je n'ordonnerai pas de frappe et Black Widow. La population. Ouais, ça par contre on peut passer. Non, on recommence. Ah, et je commence avec Thor. Nos capteurs détectent un point faible sur la tête de ce Léviathan. Essayez de l'éteindre. Ok, voilà, déjà c'est mieux ça. Déjà c'est mieux. Déjà on est avec Thor au moins. Hop, on sauvegarde. Hop, sauvegarder. On va chercher ça. Et Hulk qui démonte. Hulk, sauver Hulk. Possible ça. Et bim, prends soin de ta gueule. Je récupère juste les petites pièces. Moi je peux rien faire ici non. Donc déjà on va faire ça. J'ai cru qu'il allait sauter dans le vide pour aller le tuer quoi. Tout cassé ou putain, je me fais démonter par le bordel là. Allez, c'est bon, merci. Par contre, j'ai vu que je pouvais faire un truc avec toi. Voilà. Oh, c'est pas possible. Il bouge plus. Ah merde, je suis repassé sur toi. Qu'il fallait faire ça de toute façon, c'était obligé. Ouais, je peux
m'a demandé un abonné de la chaîne hein, qui me parle sur Facebook m'a demandé si j'allais faire Lego Avengers à 100%. Alors non, enfin je vais le faire à 100% du mode histoire, mais je n'irai pas voilà. Oh merde, je n'irai pas refaire toutes les histoires avec des bons personnages pour aller chercher tous les blocs qu'il faut pour le faire vraiment à 100%. J'aurais vraiment pas le temps. J'aurais pas le temps. C'est d'abord Thor. Ouais, c'est d'abord Thor. On va foutre Thor ici. Voilà, on avance. La gare centrale de Manhattan. Ah oui, ce passage. Allez, c'est au tour de Captain America, on va sauver les civils. On dirait que l'entrée habituelle de la banque est bloquée. Vous allez devoir entrer en force. C'est plus pratique que tu ne crois. Casse tout, hein, bien sûr, comme d'habitude. Histoire de voir si on peut en plus de rien. Je sais que c'est pas lui. Je sais qu'il me faut œil de faucon. Et je voulais tout d'abord casser tout ce qu'il fallait. Allez, on va pouvoir sauvegarder ici aussi. On va sauvegarder ici. Et on change. Hop. Et bim! Et bim! Non? Si. Ah, y'a que Thor ou Hulk, ok. Ok, d'accord, donc là faudrait revenir avec Thor ou Hulk. Mais avant j'ai vu un truc là-bas.
On peut pas la voir ça? Ah bah si, on peut la voir. Ah mais c'est peut-être pour après du coup. Ah ouais, c'est peut-être pour après ça. On va peut-être passer par là après, plus tard. Ok, donc on prend Captain America. Captain America. Rien faire avec ça là-bas. Ah si, je les ai fait exploser ça. Par contre, je pense qu'il faut que je fasse monter. Non ? Je croyais. Si, si, il faut que je fasse monter Captain America. Il peut monter tout seul. Il peut monter tout seul. J'appuie sur le bon bouton, ça ira mieux. Voilà, merci. Oh, t'es sérieux? Faut que je fasse le double saut. On va y arriver, hein. Ou pas? Faites-moi confiance. Voilà, je l'avais dit. Impeccable. Je m'en fous, je suis rentré. Ils sont faits comme des rats. Mieux vaut rester loin des otages. Nous devons éviter d'attirer l'attention d'autres aliens. Ah bah tort. T'as pas tort. Si t'as pas tort, tu peux pas tester. Allez, vas-y, dégage. Voilà. Allez, bah Thor, il a bien fait de venir. Il ouvre une porte, il se fait casser la gueule. Quoi. Ah, je peux plus bouger. Bonjour. J'accepte votre rémission. Toutes les répliques de Thor, s'il vous plaît. Et des fois il s'arrête de complètement, toi, il pète un câble, j'en sais rien, je bouge plus quoi. Qu'est-ce que vous attendez? Bon, tu vas te calmer, Captain America, s'il te plaît. Hein?
Moi je casse tout d'abord, comme d'habitude. Alors c'est ce que j'ai fait, mais j'étais trop près. Non mais vous êtes sérieux. Oh mon dieu quoi. Captain America, on a besoin de toi. Allez, salut! Génial! On peut pas y aller là? Ah, qui c'est qui fait péter ça déjà? Ah, c'est. Ok. C'est plus pratique que tu ne crois. C'est œil de faucon. Stark, il en arrive encore. Une tête nucléaire va sauter dans moins d'une minute. Et moi, je sais où l'envoyer. Œil de faucon. Je le tiens. Avec une baguette. Ah oui, comment il se fait démonter par Hulk. Comment il va se faire démonter la gueule. Le sceptre de Loki pour brouiller le Tesseract. Hulk peut sans doute se le procurer si vous l'aidez à identifier le véritable Loki. Ok, donc il faut d'abord que je fasse ça avec elle. Ouais, regarde le dieu. Je ne me laisserai pas malmener. Ouais, le dieu, regarde ce qu'on en fait, ton dieu. Et hop, boum, 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 boum.
sauvegarder, je pense, ouais. Oh, j'ai pas besoin de sauvegarder, mais bon, on sait jamais. Okay. Comment je fais ? Comment on fait pour monter ? Je vais y arriver, hein, ma force. Donc, tout simplement sans sauter, peut-être. Je suis polyvalente. J'allais sauver le monsieur là-bas. Ok, là je peux pas. Minute. Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, babousible. Coopération. Reçois, je peux fermer le portail. Pourquoi il y a un joueur de foot au fond? Pourquoi il y avait un joueur de foot? Surtout aux États-Unis, quoi. Pourquoi un joueur de foot aux États-Unis? Ah là là. Bon, bah, encore un épisode chaotique, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Sur Lego Marvel Avengers, j'ai beaucoup de mal. Hein. Puis bon, on n'a pas été aidé aussi, le jeu était buggy au début. Obligé de recharger la partie. Mais voilà, ça c'est fait. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. La scène mythique, hein, de Avengers 1. Le combat final, qui est juste énorme. Bien kiffé, on verra ce que ça va donner la prochaine mission. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, bien sûr. Ça fait plaisir de partager sur vos réseaux sociaux, de commenter aussi. Et bien sûr, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je serai très content de vous accueillir dans la famille. Allez les amis, on se retrouve très bientôt pour la suite de Lego Marvel Avengers. À la prochaine, salut, bye bye.